salut à tous, Skyros, comment ça va? De retour sur Fortnite pour débloquer le skin secret. Il me reste un défi à effectuer et on va le débloquer. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les lettres NAMS en fait? C'est tout? Et ben voilà! Défi complété! C'est bon! Le skin secret est là, mon pote! Ça fait 9 semaines! 9 semaines de la saison 7 que nous l'attendons! Et enfin, il est arrivé! Et enfin! On ne dit pas enfin! Et il est là! Félicitations, vous avez réussi une récompense pour avoir accompli le défi grand froid! Le prisonnier! Il est déchaîné et enchaîné un peu. Enfin non, il a plus trop de chaînes, mais enfin il est déchaîné puisqu'il a plus trop de chaînes, mais il est quand même un peu encore enchaîné. Parce que justement, il semblerait qu'il y ait des défis où il faut trouver des clés et avec les clés tu ouvres les cadenas et que derrière le skin soit évolutif. Donc du coup, il y a 4 clés à trouver et chaque clé va ouvrir des cadenas qui vont te permettre de faire évoluer le skin. Pour le moment, une seule clé a été trouvée à Polar Peak. On ira la chercher après dans le château. Qui va ouvrir le cadenas du visage, donc il va dévoiler le visage. Mais après, il y a 3 autres clés nécessaires pour avoir l'évolution ultime de ce skin-là. Mais pour le moment, on ne sait pas où elles se trouvent. Voilà, donc peut-être qu'elles sont pas encore là. Peut-être qu'elles vont arriver, je sais pas, un autre jour et que d'un coup, oh voilà. Ou peut-être qu'elles n'ont pas été trouvées simplement parce que la map est grande et les petits recoins pour une petite clé. Et voilà, on ne sait pas. De toute façon, tu sais pas, tu casses le mur là, t'es là, tu regardes derrière, là, tu dis, ah oh, putain, il y a une clé. Ah bah d'accord. C'est qu'il y a un mec qui m'a tiré dessus au snipe là, ouais. Et est-ce qu'il m'attend lui? Ouais. Ouh, il a un snipe aussi. Ça, c'est ce qui s'appelle une opération rondement menée, mon ami. Oh putain. Oh putain. Non, c'est pas le moment. Oh putain. Là. Là, l'opération rondement menée, il faut la repenser là. Il faut la repenser mon pote. Oh, le kilo piège. Oh, fatal mon pote, fatal. Je sais pas si l'autre il avait pas du ah oh là 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 là, yes. Yes, il le vit. Le kit. Alquito! Aïe aïe aïe, le skin secret, le skin maléfique, il est là pour faire mal, mon pote! Il est là pour faire mal! Il avait un petit snipe, hein, le même que le mien. Il avait une petite mire aussi. Bon, bah, le mec était. Le mec était équipé, hein. On va faire un peu de ressources, néanmoins. Unleash the beast! Je vais aller récupérer une petite SMG à la place des grenades. C'est la SMG, c'est quand même pratique. Et comme j'ai toujours tendance, après le fusil à pompe, de passer sur la SMG, du coup. Ah d'accord. C'est pas prévu comme activité ça. Eh l'AK. Ça peut se négocier l'AK vu que j'ai la SMG.
Bon, attention, parce que là, la zone se restreint et il peut y avoir du monde de partout qui arrive. 9 survivants. C'est pas énorme, hein. C'est bizarre, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être des mecs qui sont bien battus ailleurs. Sûrement. Ah oui. Oh là là, putain. La balle de snipe plus la balle de Dakar dans la tête, ça picote hein. Ça picote. Ah ouais, on dirait qu'il est un peu en train de se soigner. Vraiment, j'ai pas beaucoup de balles derrière. Oh, oh. Ouais. Bah, lui, il est dans son truc. Ok, il s'est fait avoir. Mais il en reste un normalement. Putain d'avion de merde. Putain d'avion de merde. Oh oh. What? T'es sérieux? C'était en pleine tête. Ah bah voilà! Ah bah voilà! Hein? Et merde. Putain. Ah le bâtard. Shit. HP, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Je sais pas comment je vais m'en survivre là.
il l'a fait. Et il me restait 10 HP. Et j'ai réussi à survivre. Waouh. Alors qu'il y avait des RPG à gauche, des lance-patates à droite. J'ai fait mon petit fili-fili-filiou. Je suis parti à droite, je suis parti à gauche, j'étais là, bing bam boum. Ah, le skin secret me donne des super pouvoirs sur Fortnite. C'est parti, direction Polar Peak, chercher la clé. La première clé, la seule où on sait son existence et sa localité. Pour le moment, les autres restent inconnues ou peut-être qu'elles n'existent pas encore. Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas, nous vivons dans l'ignorance totale. Mais cette clé, j'espère, dans quelques secondes, sera mienne pour Unleash. Unleash le cadenas. El cadenado. Ah, voilà. Fouiller. La clé est là, mon pote. La clé est là. C'est, tu vois, ça fait un petit bruit quand tu passes à côté de la clé. Enfin, en tout cas, quand j'étais à côté, en dessous. Voilà, donc quand tu passes à côté de la clé, ça va faire un bruit. Donc tu sais qu'elle est là. Oh, yes. Oh. Ça y est. Ça y est, il a pu retirer. Il a pu retirer son masque. Donc, on va en profiter des streams de Tonton Skyros pour apprendre un petit peu l'espagnol. On commence. Café. Répétez. Café. Oh merde, nique ta mère, putain, mais je suis en train de parler. Et je suis en train de donner des cours d'espagnol, putain. Les amis, nous avons débloqué l'étape numéro 2. Nous avons enlevé le cadenas qui était sur le visage. Donc il nous manque 3 clés à trouver. Une fois qu'on a trouvé ces 3 clés là, on va pouvoir voir la version ultime du skin. Le seul truc sur le prisonnier, c'est qu'on ne sait pas où se trouvent ces clés encore. On ne sait pas si elles sont déjà sur la map, ou est-ce qu'elles vont arriver après. Et si elles sont déjà sur la map, où est-ce qu'elles se trouvent. Pour le moment, aucune idée. On a trouvé seulement une clé.